Le gouverneur du Congo central, Dr. Gibandou Ndongidi, ne cesse d'accorder une place particulière aux agents de l'État de sa province. 48 heures après avoir rencontré personnellement les enseignants, le chef de l'exécutif provincial a organisé une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, avec les chefs des divisions et les chefs des bureaux administratifs, ce jeudi 18 octobre 2023, dans sa résidence officielle, avec à sa suite quelques membres de son cabinet. Cette rencontre inscrite dans un cadre familial était l'occasion pour les hauts fonctionnaires d'évoquer plusieurs questions liées au bon fonctionnement de l'administration publique, notamment le frais de fonctionnement, l'état vétuste du bâtiment, dragage, des infrastructures sportives et autres, et ce, au cours des échanges francs dans un cadre convivial. Très sensible aux désidérata lui présentés, le numéro 1 de la province a pu avoir des réponses claires aux préoccupations de ceux qui sont au cœur du fonctionnement des institutions d'un pays. Je connais la force de l'administration. Que devient une administration sans archives? Que devient une administration sans traçabilité? Parce que les hommes passent, l'administration reste. Et ce qu'on cède aux autres, ce sont les archives. Et parmi les démarches que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de voir comment numériser l'archivage, parce qu'il n'y aura jamais assez d'espace pour contenir tous les documents. Il y a beaucoup à faire et on va d'abord s'attaquer aux priorités. Et je pense que la toiture, donc la protection du bâtiment et les installations sanitaires, il y va aussi de notre humanité. Les fonctionnaires ou la fonction publique, ou en tout cas les divisions, sont la cheville ouvrière de l'État. Si l'État veut mieux se sentir, il faut qu'il pense à ses fonctions. Tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. Très satisfaits, les fonctionnaires de leur côté ont eu des mots justes pour remercier le gouverneur pour ce geste posé à leur endroit. Aujourd'hui, en tout cas, l'occasion nous a été offerte. Nous sommes arrivés, il nous a accueillis. Et il nous a vraiment ouvert son cœur pour nous dire ce qui était au-dedans de son cœur pour l'avancement, le développement et l'émergence de notre province. Le souci qu'il a pour pouvoir booster les choses à ce que cette province devienne économiquement forte, dont nous avons beaucoup aimé ces impressions. Utanga Naza Awa depuis 2004, Namonana Makambabo était. Donc le gouverneur, Dr Gibandou Ndongidi, Mukonza Liboso, Akoyamba Biso Boye, Abandaki na Biso Kakate, mais même enseigner Baleka, Bamususu Baleka, Biso ba agent de l'État, donc administration et simbi pouvoir, to province Mobimba Yangoyo.